Bonjour. Ok, aujourd'hui journée number 2. Voilà, je viens de me lever tranquille et je vais me faire un café parce que j'ai un petit peu faim, j'ai un petit peu de tout n'importe quoi. Bon, allez, café time. C'est fou ce qu'on peut apprendre sur soi-même, enfin sur soi-même. J'ai appris par exemple en l'espace de 24 heures que un verre de riz. Voilà, c'est l'équivalent d'une portion par personne. Sympa. Aussi que pour la cuisson, pour le riz, ça prend 16 à 18 minutes. Je savais pas. Avant, moi, c'était Oncle Ben, c'est plus basta, quoi. 10 minutes, c'est bon, quoi. Au micro-ondes. Non, 10 minutes au micro-ondes. 3 minutes au micro-ondes. C'est marrant. Donc voilà, je suis chez Oliver. Oliver est en train de cuisiner pour moi et franchement, ça sent trop trop bon. Donc au sujet de l'appartement, Oliver a une visite aujourd'hui et apparemment ça s'est très bien passé. Ils ont discuté un petit peu ensemble. Donc c'est un petit couple, ils sont jeunes, ils veulent acheter un appartement pour mettre en location, voilà, pour faire un business quoi. Et donc on va voir comment ça va se passer. Honnêtement, je pense qu'il y a quand même une bonne chose qui va sortir de tout ça. On va voir dans les jours à venir. Et voilà, donc mon chéri a cuisiné pour moi des pommes de terre, du bœuf, des haricots verts, carottes. Voilà, donc on va se régaler. Un petit mot? Oui, yes. Tu Bon manques si c'est appétit, simple? merci, thank you. Voilà, bon appétit! So this is the final design. The other one was a bit solution funky. For all. Because for the first time ever, people will be able to buy online a mobility.
solution 100%. From your sofa, you will be able to order that electric mobility solution online, and you will be able to get that solution. How much you love me? Stop making a mess. Where is the lid? How much you love me? It's only day two and I already have a cabin fever. Il a dit qu'il m'aimait beaucoup. You didn't even eat your ham. Eat the ham. Okay. Eat the ham. Merci. Regardez, il y a Lucie qui travaille. Voilà, 2020, l'année de la flemme. Shopping time! Voilà, on est à Lidl, on a réussi à rentrer. Mais bon, ça va, il faut entrer les gens au compte-gouttes. Et franchement, c'est pas plus mal. Et c'est bien organisé. Mais bon, il y a plein de trucs, hein. Il y a du poulet, il y a de tout. Il y a des concerts. Bon, bah voilà, je suis rentré à la maison, donc je me suis bien lavé les mains avant toute chose. Et donc, ce que je vais faire là, je vous montre un peu mon retour de course. Alors, ce que j'ai acheté, donc je suis allé à Lidl aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai acheté des œufs. Voilà. J'en ai donc il y a 15 œufs là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bah ça, c'est juste pour prendre l'apéro hein, tranquille. Voilà. C'est ce que j'ai acheté en fin de compte, c'est pas vraiment des gros produits de nécessité, on va dire de première nécessité, mais c'est juste que j'ai déjà le plus important, et là c'est vraiment les petites choses qui vont agrémenter, on va dire, ma journée à la maison. Donc j'ai pris quelques pâtes, hein, des spaghettis, il y en avait, donc voilà. J'ai pris des tablettes de chocolat noir, comme ça je vais pouvoir me faire des gâteaux. Voilà. Pour ce soir, je vais me faire un poulet. Et puis, je le découperai. Et puis, ça me durera au moins facilement pour 2-3 jours. J'ai pris un concombre parce que, bon, bah, j'aime bien en mettre dans mes salades et tout ça. N'allez pas penser à autre chose. ça, c'est pareil, c'est pour agrémenter l'apéro. Hein. J'ai pris une bouteille parce que, comme prévu, comme je l'avais bien imaginé, je me suis dit, les gens qui sont venus visiter l'appartement d'Oliver l'autre soir, ils ont fait une offre. Donc, l'agence nous a appelés et donc ils vont les recontacter. Et puis là, on attend juste la réponse pour savoir si... Parce que Oliver a surenchéri, bien sûr, hein, donc on attend d'avoir la réponse, voilà, donc on est en attente. Si vraiment il y a une bonne réponse derrière tout ça, c'est un petit verre tranquille quoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pris du black pudding, parce que j'aime bien ça. Black pudding, c'est du boudin, en fin de compte c'est du boudin noir. Avec au petit déjeuner, c'est très bien. J'ai pris du couscous, ça c'est super facile à faire, mais vraiment n'importe qui peut cuisiner du couscous. C'est trop facile, franchement, et ça se marie avec tout, tu fais une petite sauce avec, c'est super sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai pris de la farine, bien sûr, parce que bon, le gâteau au chocolat, il ne va pas se cuisiner comme ça, donc voilà. Donc j'ai pris de la farine, voilà. Voilà ce que j'ai pris, donc voilà, c'est juste, c'était pas les grosses courses, c'était juste pour agrémenter ma journée tranquille à la maison, comme ça, vraiment, là, j'ai tout, et là, je pense que je peux arrêter de faire des courses pendant au moins 2 semaines tranquille. Voilà. Oui, et ce soir, donc, à 8h, c'est-à-dire dans 2 heures, non, pardon,
Il est quelle heure? Il est 5h, dans 3 heures. Donc tout le monde va applaudir donc, les médecins, tout ce qui est, tout le corps médical, voilà. Donc tout le monde sera à sa fenêtre et applaudira. Voilà, super. Donc voilà, donc, sur ce, bon, moi, je vais mettre tout ça en place et je me relave les mains après. Ok? Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et ben voilà, donc la vidéo est pratiquement terminée. Moi, je vais pas tarder à passer à table. Comme vous avez vu, le poulet est bientôt cuit. Sur ce, donc, si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ou encore bien vous abonner. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, hein, posez-les. Hein, voilà. Et ben, sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Et on l'a dit, hein, des bisous au loin, des air kisses. Comme ça, voilà, et on ne se touche pas. Et bien sûr, lavez-vous les mains. Et pour tous ceux qui sont en Angleterre, bah, n'oubliez pas, à 8h, donc ouvrez vos fenêtres, ouvrez vos portes, et donc applaudissez donc, pour bah, le travail fourni par le personnel NHS. Voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis au revoir, et à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire dans 2 jours. Ok? Ciao!